De tout le monde les amis, c'est Shane. Nouvelle saison 4 qui vient de sortir. Est-ce que j'achète le pass de combat? Bien sûr que oui. Oh, le paradigme, c'est gratuit? Ah non, c'est parce que j'ai acheté le pass. Du coup ça c'est le skin du niveau 1. Les mecs, si t'arrives sur la vidéo, lâche ton plus gros pouce bleu, regarde bien en entière cette vidéo. On va lancer une game, acheter le pass de combat en entier. Mais avant d'acheter le pass de combat, ce qu'on fait, boutique d'objets, soutenir un créateur. Et j'ai pas mis le mien à l'air. Voilà, tous les vrais de la team, vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire. Merci à ceux qui me soutiennent. Et ensuite, on va aller voir le pass de combat et on va voir les skins qu'il y a. T'as envie d'avoir le pass? Aujourd'hui, record du monde. J'en offre pas 10, j'en offre pas 20, mais 30 sur mon Instagram. Premier lien de description, tu vas sur mon Instagram, tu likes la dernière photo postée. J'en fais gagner 30, mec. Regarde bien la vidéo en entière et va sur mon Insta à la fin pour tenter de remporter un. Pour la première page, tu as le paradigme. C'est l'actrice qui joue Captain Marvel. J'aime vraiment bien. Waouh. Alors, on voit qu'il a la matière chrome sur ses doigts. On a grise. C'est un nounours, il a le seum parce qu'il est petit. Du coup, il a inventé un nounours qui contrôle avec une manette. Ça, c'est une dinguerie. Miaou, miaou original. J'arrive pas. C'est le miaousclé, mais qui a perdu ses muscles. On a l'Enox Rose. Je vous le dis sincèrement, j'aime pas trop. Bon, ils sont les bons skins là. Ah, on a un nouveau skin, jumeau. Il paraît que c'est le premier skin transgenre de l'histoire de Fortnite. Intéressant. Et la page 10 avec le skin Spider-Man. Oh, il est incroyable. 14 000 V-Bucks. Passe de combat. Bim. Acheter des niveaux. Vas-y, on monte à 100. Ça coûte 13 100. Let's go. Ça, c'est pas du contexte de ouf. On va aller dans compétition. Il y a la coupe Icon de CypherPK. CypherPK qui a eu son skin. Un truc de malade. On sera en stream pour tenter de remporter son skin. Ça sera plus tard. Mec, le skin est insane. Je ne jouerai plus avec le skin Spider-Man vu que maintenant j'ai Spider-Gwen. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Y'a. Oh. Ah, ok, alors je sais. En fait, tout essaye de fuir le sol. Car il y a la matière chrome que si tu la touches, ça te tue. Même nous, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. On va toucher cette matière-là. Waouh. Alors, c'est une big saison parce qu'avoir autant de points d'interrogation, ça veut dire qu'une Uncharted est de retour sur Fortnite. Ça, c'est moi qui te le dis, ma mère. On a un nouveau biome automne ici. On a une base chrome avec. Je vais là-bas. Je vais instant mettre mes pieds dessus, voir si je me transforme. Waouh. Le skin Gwen est incroyable. Oh, regardez là-bas le bateau. Le bateau pirate est sorti du volcan pour pas qu'il touche le chrome. Sinon, le bateau se transforme en chrome. Donc là, ça doit très certainement être la base ennemie de la tête chou-fleur. Et je sais pas si je vais prendre des dégâts en rentrant à l'intérieur. J'espère que non. Wow! Sanctuaire du héros, nouvelle découverte. Oh non, j'ai été transformé! Ah, mais mince. C'est quoi ce coffre? J'ai compris. En fait, les coffres chrome, c'est là où t'as les armes chrome à l'intérieur. C'est des armes qui ont été touchées par le chrome aussi. Regardez celle-là. L'avant est chromé. C'est tellement stylé. Oh, c'est trop stylé. Je bande. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'entends un bruit. Je suis plus chromé. J'ai dans mon inventaire la nouvelle AR et vos chromes. Et le nouveau pompe et vos chromes. Tu les as seulement dans des coffres chrome. Ces armes-là ont la particularité que quand tu mets des dégâts avec elles, elles vont s'améliorer. Regardez en bas. Elles ont une sorte de jauge. Si je tire sur Fluxy, la jauge augmente. Là. Je recharge et hop, elle se transforme en rareté bleue. On va faire ça jusqu'à qu'elle soit en mythique. On va passer bientôt en violet. Là, je recharge, faire évoluer. Ça casse les cristals. Ah, je peux aller peut-être tuer la boss. Ici, à Sanctuaire du Héros, tu as la boss ultime. La tête chou-fleur, comme on l'appelle. Elle est là. On va voir. Oui, ça... Ça fonctionne comme si c'était un ennemi, trop bien. En plus, elle fait spawn de loup, let's go. On passe en légendaire. Let's go. Dernière évolution. Oh punaise. J'ai plus trop de balles les gars. Oh, mais pour passer à mythique c'est tellement difficile. On met tellement de dégâts. Oh la zone arrive mince. Non je suis mort. Oh let's go, il y a un cochon. Je la tue absolument les gars. Elle a 0 HP. La boss est morte. Cette boss là donne la version mythique, celle que j'essaie d'évoluer depuis tout à l'heure. Bam! Waouh! Celle-là, c'est fini ensuite. Elle met 23 de dégâts et elle tire 4 balles par 4 balles. Énorme! Oh! Mythique! Enfin! 23 de dégâts, cadence 9, c'est énorme. Regardez la cadence. Mec, dinguerie. Alors, j'ai fait en game, j'ai dû mettre 5000 dégâts pour l'avoir mis. 5000. Top 1, 9 kills. C'est hyper long. Ah, ça, c'est le nouveau pompe. J'ai une nouvelle pompe aussi. What? C'est quoi ce viseur? What? C'est un pompe qui tire horizontalement. C'est en mode si tu loupes ta balle, c'est horizontal. Comme ça, t'es sûr de toucher. Et ça, c'est une sorte de hog. Ok. Là, je viens de ramasser aspergeur de chrome. Lancez-le pour asperger du chrome sur une zone. Et moi, si je suis du chrome. Oh! Si je suis du chrome, je peux traverser les constructions, mec. Mais ça veut dire que quand t'es en. Mais mec, je suis une bouboule. Oh, c'est tellement OP. Et là, je peux genre par exemple sortir. C'est un abonné. Il m'a streamaqué.
Mon arme elle est passée en bleu parce que j'ai mis des dégâts. Un sniper. Il paraît que les snipers dans cette saison ils remettent 200 de dégâts. En fait, si je speed, ça me transforme en bobble. Ça c'est une base pour pouvoir prendre de la hauteur, c'est vraiment sympa. Il y a un joueur en face. C'est un boss. J'ai mis 249 têtes les gars. Sort dans le camp. Ça met plus 99 les snipers. Oh mon dieu. Ah là je me transforme en boule et la personne il pourra pas me toucher. Oh, oh. J'ai failli crever. Heureusement que j'ai touché le rebord, j'étais mort. Ça ça donne du shield ça. Non. Ça c'est jusqu'à ça. Si jusqu'à ça ça me donne des... Oh mais mec. En fait ça va se full jouer en aspergeur. Et si je speed ça me transforme en boule. Je peux pas monter les montagnes malgré que je sois cramp. J'ai l'impression que je vais plus vite que si je sprintais de base. Ah oui je vais large plus vite que si je sprintais de base. J'ai réussi à traverser. Tu peux traverser n'importe quoi. Donc là on a les bases. On a les bases. Ça va, toi tu mets une tête. Il y a une boule d'air. Il y a un truc tarpein chromé d'air. Oh 250. Ça fait longtemps que j'ai plus joué sniper les gars. Depuis qu'il mettait plus moins 200, tu vois, plus personne les jouait. Et je pense que c'est pour ça. Ils s'étaient en mode mais putain on a nos snipers, plus personne joue nos snipers. Parce qu'ils étaient éclatés nos snipers. Mais là, ça va reprendre. Moi ce que j'aimerais savoir. Qu'est-ce qui est le plus rapide entre sprinter ou utiliser le chrome? Pour moi, je pense que c'est utiliser le chrome. Parce que tu utilises un item, ça paraît logique. T'as un bruit. Oh, c'est une clé! Les amis, je viens de recevoir une clé. Les clés permettent d'ouvrir maintenant les nouveaux coffres. C'est différent. C'est maintenant, tu l'ouvres plus avec ton corps. C'est vraiment, il faut que t'aies des clés. Les coffres sont marqués sur la map quand t'as des clés. Ok, il y a un coffre double clé ici. On va aller à celui-là. Et là, en bas, t'as un coffre, une clé. Donc quand tu trouves des clés, ensuite, c'est marqué pour savoir où ils sont. On met une clé ici. On met une clé là-haut. Tadam. Sésame, ouvre-toi. C'était golden et tout. Waouh. 3 coffres légendaires, 2 drops, du shield à gogo. Il y a un mec qui me tire, je suis mort. Faire très attention à ça. Mais c'est énorme. En plus, c'est des armes épiques que t'as là. Balle de snipe. Ah non. Punaise, quoi? C'est pas un sniper, ça? Fusil de tireur d'élite. Ok, on va prendre ça. On va jeter ça. J'ai un pompe auto. Fusil de tireur d'élite, ça peut être sympa. Je vais mettre en haut du toit. Top 4. Il y a un joueur. Dans le bush. Je sais pas du tout comment ça tire, ça apparente. Jouer. Oh non. Cours. Est-ce qu'il peut me shooter là? Oui il peut, merde. Je suis caché. Oh je suis mort. Non! Oh, let's go! Let's go! Première game top 1, les gars! Let's go! Parapluie chromé. Alors, deuxième game. Là, on est sur le biome automne. C'est plus du tout comme avant, les champignons. Regardez le plein air du top 1. Abonne-toi! Oh, il s'est baissé! Oh, il s'est baissé! Vous avez vu? Bien joué. Je suis mort. Oh la dégris je viens de faire. Oh my god. Je peux pas traverser. Ah non je peux que traverser des trucs en carbone malheureusement. Oh comment j'ai joué. Waouh, je viens de faire une... Mec, j'ai encore une nouvelle fois de faire une stratégie de 200 IQ. Il y a une maison là. Non, c'est le retour de Lootech. Waouh. Oh, je kiffe. C'est la maison de Lootech de l'époque, c'est une blague. Chapitre 1. Oh, j'ai trouvé les nouveaux forts de poche. Bunker de poche. On va tester. Allez. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce bunker? Merde. Waouh. Une base et tout. Trop bien fait. Aussi une base en bas. Et ensuite après là regarde, t'as des bouées comme ça. Oui. J'ai pris des dégâts chute. J'ai une arme mythique. Oh
Non mais mec, ton arme mythique elle a pas touché. Ouah. Et là tu penses que la vidéo est finie, mais non. J'ai l'honneur de vous présenter ma nouvelle map créative Fortnite, le Bill Fight Deluxe. C'est une map zéro lag. Je l'ai bossé avec une team professionnelle de Bill Fight pour faire une map la plus qualitative possible. Ma BF, tu peux avoir tous les armes du jeu, tu peux changer le décor dessus, reset le build. Et elle a une particularité, c'est que il y a un logo U sur cette map. Si ce logo se transforme en vert, tu gagnes 10 000 V-Bucks. Tu peux jouer comme ça et t'as une certaine chance pour que le logo U se transforme en vert. Si c'est le cas, tu m'envoies un screen de la map avec le U en vert, tu gagnes 10 000 V-Bucks. Je te conseille code on-chain pour un maximum de chat. Le code est juste ici, vas-y dès maintenant. Et de temps en temps, regarde le U, voir s'il s'affiche en vert. Ça veut dire que t'auras gagné 10 000 V-Bucks. On se dit rendez-vous demain après-midi pour la prochaine vidéo Fortnite. Je te fais des gros bisous. Geek comme un porc, c'est une chaîne. Clique juste ici pour voir une autre vidéo masterclass. Ciao bye, Zimmer.